difficile pour aller négocier avant. Donc, table négociation est capable difficile. Donc, maintenant, qui ça ou pral fait pour capable crédibiliser tout? Parce que un monde qui n'a drogue, qui n'a gang, ou pas éligible dans quel pays sur la terre, sénateur, là, tout de suite? Écoute, deux choses. Cette question de drogue, vous voyez, depuis 2007, je te dis, je me fais 5 ans. Et pendant 5 ans, moi, j'ai assumé le bas dans les États-Unis. Jusqu'à ce que je puisse éclairer et que l'ambassadeur lui-même nous fait un bon visa. Ça, c'est clair. Deuxièmement, moi, je crois que la question de gang qui a parlé, moi, j'étais le seul monde qui était campé, qui était au plan, qui était dit, pas possibilité pour que, eh bien, avec chef policier, nous mettons en pratique pour que dans 3 mois, pas de gang dans le pays. Donc, moi, parce que comme haïtien, moi, j'ai fait travail, ouais. Moi, je crois que la meilleure façon pour nous défendre, nous sommes dit, où il y a 2 pays qui sont démocratiques, en Haïti, moi, tout seul. L'autre bon pays, c'est au plus démocratique, système judiciaire qui fort. Moi, je crois que c'est pour le gouvernement fédéral, pour le côté preuve, devant le juge, côté que ça y est, pour le prouver, sinon pour le retirer. Et seule façon que nous gagnons pour le moment, c'est la justice, et nous-mêmes, nous parlons pour nous faire. Nous avons mené un combat ça en première fois ici, nous avons mené un long fois en France, et dans 2 combats ça nous avons mené, nous avons sorti, eh bien, justement, vous avec une situation qui prouvait que nous n'avons pas rien. Donc, je dis, yo attaquez nous encore pour nous mener du combat, dans Ménel, j'en veux mener là, parce que moi, mon homme m'a pensé que ça qui là, il n'est pas basé sur rien, parce que nous disons, yo, on pas de drogue, on pas de gang, mais pas dans le là, ça crivé là, mais passer sans question purement politique, et que je dis à, on débouche tout argument ça devant le tribunal, et c'est la seule façon que moi gagne pour le moment, pour que, avocat nous, eh bien, je prends la question en main aux États-Unis et au Canada, pour que, justement, je défende et je lave, justement, l'image. Donc, moi, pense que c'est initial, politiquement, le souillé. Et c'est là toi tu bon moi-même et Val m'a posé question ça puisque Manuel Yves pose un pile question moi ouais comment nous enchaîner mais question ça pratiquement c'est pour nous deux est-ce que selon toutes explications que ce soit ou même que ce soit sénateur Lambert Baye notamment ou même sénateur là toi tu comme nous ou comme mon éventuel candidat à la présidence est-ce que selon ou même bataille ça son bataille est purement politique qui a fait par l'international en certainement collaboration, en complicité avec certains acteurs nationaux pour éliminer sous scène politique là définitivement pour pas capable candidat à la présidence et pour nous-mêmes, sénateur Lambert, ou même pas capable de participer dans le processus de négociation. Est-ce que ça s'en va comme ça? Donc, on va répondre et puis automatiquement, Manuel Yves est tourné dans la charge là pour le poser, sénateur, la question. Ou même la réponse, vous laissez ça, sénateur. 107.7 FM stéréo. On se dit déjà. Nous sommes lancés pour nous adopter un compromis historique. Et compromis historique là, nous avons dit que le pays a bon côté de l'arrivée. Nous passons dans une situation extrêmement difficile, pour nous parler à tout le monde, même autorité qui a placé pour nous donner une solution. Et solution, ça, même si je ne suis pas d'accord avec elle, moi-même, je ne pas combattre, parce que moi, je pense que le pays arrive au côté, on doit aller, on doit avancer. Et que nous-mêmes, quelle que soit la solution, nous pouvons participer en un gouvernement, et nous pensons que le parti politique, c'est une élection pour y aller. Donc, pour l'histoire, nous est clair, nous pas fait extrémiste. Nous te dit pour payer absolument la donne, mais la solution de pêcher à son vraie solution haïtienne. Pas oublier que je te dis, un mot important, je te dis, international n'a pas parlé de solution haïtienne. Et chaque fois que nous voulons jouer une solution, je dis nous, mais qui est-ce qui vous la donne, mais qui est-ce qui vous kembe. Et moi-même, je te dis, international là doit quitter nos vraies solutions, et nous sommes partis pour que nous te contactions tout le monde pour nous donner une solution. Bon, si je dis à vous, parce que et solution haïtienne table, je n'aime pas bon, pour y bloquer. Parce que, si je dis à vous, parce que position nous, que nous dit, c'est pour les générations à venir, ça veut dire que ça, rien, eh bien, pour garder les autres générations, les élections à venir, il va agir. La seule chose, la seule chose.
Moi, je pense que à la bataille, à cette bataille politique, il faut répondre dans la bataille juridique. Parce que je dis, position juridique, politique, on va assumer. Moi, déjà assumé. Moi, déjà dit comme militaire. Je périrai la tête droite. Je ne périrai jamais les chines courbées. Et je suis fier de le dire. Depuis l'académie militaire, position, quel que soit ça, instructeur de conduite, eh bien, moi, pas d'accord. Moi, quand je me garde le lâcher, jusqu'à ce que je te transporte sur le point, je vais être des cadets lieutenants. Et officier capitaine diplomate en promotion de Yokonta, il dit cadet lieutenant, il dit non, c'est pour m'abandonner le cadet lieutenant, il dit non, donc après un cadet lieutenant, non, même, mais je ne peux pas abandonner, parce que moi-même appelé à commander. Je le fais, ils font notre sortie, ils prennent le même, et ils te mettent le cadet simple, parce que tu es gagné, eh bien, en petit, en colonel, et tu es venu par le cadet lieutenant. Mais assumé, mais je suis sorti quand même lauréat. Dans cette situation, je pense, je traverse une situation, côté que, il y a des abus. Côté, il y a des positions dominantes comme cela. Les États-Unis et le Canada. Nous-mêmes, nous allons aller dans le chemin du droit. Nous allons faire appel à la violence. Nous allons faire appel à ce que le monde nous peut tenir et non. Et il y a pas capable encore. Et il y a justement besoin au chemin pour que nous puissions vivre. Cependant, il y a le chemin du droit, il y a le chemin de la justice. Ça, moi-même, dans la vie, c'est toujours ma thème. C'est qu'à plusieurs moments de la durée, comme l'académie, nous découvrons dans des situations difficiles. Mais j'ai persévéré et moi arrivé côté Mboaléa. Je dis, moi je pense que la situation ça, n'a pas répondre par le juridique pour nous sortir et la donne et nous créer position politique. Non. Et puis, d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement, justement, au monde qui a sauvé le pays, ça, nous avons son leadership collectif. Je ferai toujours partie d'un leadership collectif pour sauver ce pays avec des positions haïtiennes, hein, en regardant justement tous les pays amis qui sont à côté de nous, droit dans les yeux, pour que la première position haïtienne que je prends. Mais en attendant, pour sortir, la bataille juridique doit être menée. Et si c'est pour la bataille juridique, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, mon système il a quand même relé l'État fédéral devant la justice pour que je porte preuve de sa rédia. Merci, sénateur Lambert. Merci, sénateur et la tortue. On a enchaîné rapidement avec sénateur Lambert. Sénateur Lambert, vous là? Oui, je suis là. Oui, nous reprenons une question pour Val. Est-ce que vous pensez que c'est ambition pour un président et qui fait blanc pour une décision, ça a mettre non liste comme ça et pour mettre on camper loin? On est politique. Il faut être politique. Et comme toute partie politique n'a pas de définition, ça veut dire. Parti politique, là, il est là, il est créé tête, il est organisé, puis il prend pouvoir. Mais puis il prend pouvoir, puis il met au service de la population, au service du plus grand nombre. Tant que tout est politique, il faut garder l'ambition. Ambition pas mal à un certain moment, c'est à l'école. Ambition pas moins à un certain